Bonsoir les amis et bienvenue sur votre page préférée sportive chronique de foot. En fait, nous apprenons ce soir que Kylian Mbappé aurait signé, je vous le dis, un accord avec le Real Madrid. Selon les termes de cet accord, le joueur devrait toucher une compensation énorme en tant que prime de signature. Ah oui, l'information nous vient de sa mère, Faïssa Lamari. Celle-ci a déclaré, et je cite, « Nous avons un accord avec le Real Madrid et nous avons un accord avec le PSG. Maintenant, il revient à Kylian Mbappé de décider. » Cela serait-ce la piste tant recherchée par les fans sur l'avenir du jeune Kylian Mbappé? Car le bon Dinois, depuis le début de ses spéculations, n'a pas encore donné de piste. Certains disent qu'il pourrait bien prolonger au PSG qui met, bien évidemment, tous les moyens en jeu pour continuer à le signer. Mais Florentino Pérez est un tacticien qui veut à tout prix se payer les services de Kylian Mbappé. Alors, selon les nombreux fans de la Casablanca, Kylian Mbappé sera un joueur madrilène dès la saison prochaine, dès la fin de la saison du PSG même. Oui, la décision du joueur devrait arriver dans les quelques jours qui suivent. Il devrait même annoncer sa décision avant le rassemblement des Bleus prévu le 28 mai prochain. Alors on se demande, quel choix va faire Kylian Mbappé pour son avenir? Selon nous, il a deux options. D'un côté, on a le club où il a toujours rêvé de jouer, le Real Madrid. C'est un club que tout le monde aime, que tout le monde veut, un club qui a une histoire qui pèse. 13 fois champion de la Ligue des Champions, 13 fois remporter la Ligue des Champions, ça, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. De l'autre côté, il y en a un club pas très, disons, mythique en France, le PSG, qui n'a pas remporté tant de trophées que ça, mais le PSG, c'est un club quand même, il faut pas douter d'eux. Alors, est-ce que Kylian Mbappé va choisir de jouer avec l'histoire ou avec un club en construction? Car souvenez-vous, c'est bien l'objectif du Qatar après avoir acheté le PSG, faire de lui le plus grand club d'Europe. Même si cela tarde à venir, ce projet est toujours en marche et Kylian Mbappé semble être la clé de voûte de ce projet vu tous les efforts que mettent en œuvre les Qataris pour l'avoir. Alors on se demande, est-ce que Kylian Mbappé va choisir l'histoire d'un club mythique ou de construire un club qui veut faire de lui l'unique star, l'unique visage du club en fait. Éliminé aussi en 8e de Ligue des Champions avec le PSG, le Bondinois ne l'a vraiment pas très bien pris. De surcroît, il a été éliminé au Santiago Bernabéu sur la pelouse du Real Madrid. Et là, on se demande, mais est-ce que ça ne va pas jouer en sa faveur là? Surtout qu'au Real, il ferait un excellent trio avec Vinicius Junior, le Brésilien, et son compatriote français, Karim Benzema, qui est bien parti pour remporter le Ballon d'Or 2022. Ça, les gens le mettent à condition qu'il gagne bien évidemment la Champions League face à Liverpool. Parce qu'on se dit, mais Sadio Mané aussi, il est un très bon candidat. Alors là, on se demande, mais quel choix va faire Kylian Mbappé pour son avenir? La réponse, on l'aura certainement d'ici 2 à 3 jours, ou peut-être plus, mais certainement avant le 28. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur votre chaîne. Restez scotchés et prenez soin de vous. Bye!